Les cadavres peuvent vous Bon, permettre on est de faire reparti pour diversion. une série de vidéos. Enfin, une série, je pense que ça doit être le dernier d'ailleurs. Une VOD pour YouTube. Bonjour YouTube. Nous sommes à la fin. On nous demande de tuer Robert de Sablé. On est revenu au QG et j'ai débloqué encore une fois toute la map. Et vu que c'est le dernier assassinat, je pense qu'à mon avis, ça va être un peu énervé. La mission semble avoir été couronnée de succès. J'ai beaucoup appris sur nos ennemis. Bien, dis-moi ce que tu sais, et nous verrons ce qu'il convient de faire. Robert de Sablé et ses Templiers sont ici. Ils sont venus honorer la mémoire de Majdadin et assister à ses funérailles. Je vais les y accompagner. Pourquoi les Templiers assisteraient-ils à ses funérailles ? J'ignore quelles sont leurs intentions, mais je finirai par le découvrir. Parce que c'est un Les habitants sont très divisés. Certains voudraient les voir morts, d'autres disent qu'ils sont ici pour parlementer. Pour faire la paix. La paix ? Je te l'avais dit. Ceux que j'ai déjà tués m'en avaient parlé aussi. Cela ferait d'eux nos alliés. Et pourtant nous les supprimons. Ne t'y trompe pas. Nous n'avons rien à voir avec ces hommes. Ils semblent poursuivre un but très noble, mais ne reculent devant rien. Du moins, c'est ce que m'a dit Al-Mualim. Et quel est ton plan ? Assister aux funérailles et affronter de Sablé. Le plus tôt sera le mieux. Ah, même lui, il est dans le doute. Puisse le destin guider ta lame, mon frère. Merci. Avant de partir, je dois te dire quelque chose. Parle, je t'écoute. J'ai été stupide. Loin de moi l'idée de te contredire, mais enfin... Pourquoi parles-tu exactement ? Tout ce temps... Je n'ai jamais exprimé aucun regret. J'étais trop fier. Mais tu as perdu un bras par ma faute. Perdu Kadar. Tu avais toutes les raisons d'être en colère. Je ne peux pas accepter tes excuses. Je comprends. Non, j'en doute. Je ne peux pas accepter tes excuses car tu n'es plus l'homme qui m'a accompagné dans le temple de Salomon. Oh. Rien à te faire pardonner. Malik. Si je n'avais pas été jaloux de ta réussite, je n'aurais peut-être pas pris autant de risques. J'ai des torts, moi aussi. Non, Malik, ne parle pas comme ça. Nous sommes unis. Nous partageons la gloire de nos victoires, comme la douleur de nos défaites. Nous nous sommes rapprochés, toi et moi. Nous sommes plus forts. Merci, mon frère. Repose-toi si tu le souhaites. De nouvelles épreuves t'attendent, Altaïr. Ok, let's go. Avance rapide vers une séquence plus récente. Assassinat de Robert de Sablé. De Sablé assistera aux funérailles. Le dernier assassinat. Après, on va pouvoir passer aux deux où je vais pouvoir poncer les points. Parce que là, il n'y en avait pas beaucoup de points. Ah, et changer cette inertie aussi. Je l'avais oublié. À chaque fois que je reprends une session, je sais... Ah, bon, bah c'est vrai, il y avait l'inertie. Oui, c'est ça, t'as raison. Je vais te pourchasser. Je finirai bien par te trouver. C'était pas du tout mon intention. Moi, je voulais lancer des couteaux. Il a réussi à s'échapper. Ah non, je suis juste là. Il garde totalement con. Beaucoup de gardes, hein. Ouais, c'est la fin, hein, mais... Hop là! Il y aura personne qui va me griller. Tu n'as pas le droit d'être ici. Tu n'as rien à faire ici. Va-t'en.
quand même sympa les couteaux de l'enfer. Après, pour l'instant, c'est la seule arme vraiment discrète de chez discrète, donc... Aïe. C'est là. C'est là. Amen. Nous sommes ici pour pleurer la perte de notre bien-aimé mage Nadine, qui nous a été enlevée trop tôt. Sa mort est pour vous cause de chagrin et de douleur. Je sais même plus qui c'est, mage Nadine. Il ne faut pas, car comme tous un jour nous avons été mis au monde, un jour nous devons tous également quitter ce monde. C'est une loi de la nature, comme le lever et le coucher du soleil. Prenez un instant et rappelez-vous ce qu'a été sa vie et remerciez-le pour tout le bien qu'il a fait. Sachez qu'un jour, vous vous tiendrez à ses côtés au paradis. Ok. Minute de silence ou... Ah, c'est minute de silence. Amen. Comme vous le savez, cet homme a été tué par un hérétique. Nous avons tenté de retrouver le meurtrier, mais malheureusement sans succès. Ces créatures restent tapies dans l'ombre et se gardent de ceux qui veulent les affronter loyalement. Il semblerait que l'un d'entre eux ait voulu se mêler à nous. Sa présence est une véritable offense. Je crois que je suis grillé. Saisissez-le. Qu'il comparaisse devant nous et que la justice de Dieu soit faite. C'est bien ce qui me semblait. Je suis grillé. Ah. Oh, fiché. Ouais. Les archers me cassent les couilles. Hop là! On va rester en mouvement à cause des archers. Et il faut y aller au niveau des archers. Hop là! Affiché! Casse les couilles, lui. Prendre une flèche dans le cul, je vais rien comprendre. Dernier coup. Faut pas que je me loupe. On va attendre un petit peu, on va tempo. Chier. Mais il y a encore des poils partout. Hein. Si vous êtes repéré, bousculez les gens. En fait, c'est ça, c'est dès le début. Faut que je m'en aille pour aller chercher les archers. Si le jeu arrête de bugger, de te faire chier. Et les gueux, je me crois pas de mille à y aller.
Bon, moi, je suis protégé ici. J'aurai pas d'archer qui va me casser les couilles. Et l'avantage, c'est que j'ai pas d'archer. Allez. Tu arrêtes d'attaquer comme un gros débile. Il reste plus que toi. Deus Vult. Et c'est fini pour toi. Dommage. Et voilà. Je veux voir tes yeux avant de te tuer. Au revoir de Sablé. Hein? Tu ne t'attendais pas à ça, on dirait. C'est de la sorcellerie. Pas de la sorcellerie. Nous savions que tu serais là. Nous voulions être sûrs que Robert réussirait à s'en tirer. Alors il s'est enfui. Il faut bien reconnaître que tu as fait échouer nos plans. Et cette fois, tu as bien failli parvenir à tes fins. D'abord le trésor, puis nos hommes. Le contrôle de la Terre Sainte nous a échappé. Robert y a vu une opportunité. Réclamer ce qui avait été volé. Et tirer parti de tes propres victoires. Votre trésor est entre les mains d'Al-Mualim, et nous avons déjà vaincu votre armée. Quoi que tente Robert de Sablé, il échouera encore. Ah, mais maintenant, les Templiers ne sont plus vos seuls ennemis. Sois plus quoi ? Robert est en route pour Arsouf, où il exposera son plan. Les Croisés et les Sarrasins, unis contre les Assassins. Cela n'arrivera pas. Pardon ? Ils n'ont aucune raison de le faire. Ils n'avaient aucune raison, mais tu leur en as donné une. 9, précisément. Ces 9 victimes que tu as faites. Tu les as faites dans les deux camps. Grâce à toi, les Croisés et les Sarrasins ont un ennemi commun, et ton ordre vit maintenant ses dernières heures. Félicitations. Pas 9. 8. Que veux-tu dire ? Je ne te tuerai pas. Je te laisse la vie sauve. Tu es libre maintenant, mais ne t'avise pas de me suivre. C'est inutile. Tu ne le rattraperas plus. Nous verrons. Oh putain ! Ça va être la guerre, ça va être la guerre, ça va être la guerre. J'ai fait bousculer, hein, mais bon, c'est pas grave. Par contre, les gars, j'ai tué personne, hein. Enfin, si. Ah, l'inertie, là. Ah. Arrête d'être con! Je vais le pourchasser! Emparez-vous de lui! Oh là là! Oh là là! Le voilà! Il est là! Non, je veux qu'on me foute la paix. Parce que j'ai plus important à faire. Toujours pas, Yaki. Il vient d'où, lui? Oh là là. Voilà. Tu es autour de 50 cadavres. Où est-il? Il y a une cabane. Est-ce qu'on va fouiller dedans? Ouais, c'est ça, bah.
Et toi, Altaïr, arrête d'être con, parce que là, il y a un petit peu... urgence, comme on dit dans le jargon. Ah, il n'y a pas eu l'inertie. Bah alors, c'est à la fin que le jeu, il va être gentil avec moi. Hop. Pas le cool, pas le cool. Descends. Il s'était caché. Position caca. En plus, voilà comment on est grillé, quoi. C'est abusé à quel point on est grillé de ouf. On y est. Malik, on a des problèmes. Malik, faut se barrer. On m'a dit que l'enterrement avait mal tourné. Que s'est-il passé? Robert de Sablé n'était pas présent. Il a envoyé quelqu'un à sa place. Il savait que je viendrais. Tu dois aller voir Al-Mualim. Je n'ai pas le temps. Et elle m'a dit où il est. Et ce qu'il prépare. S'il arrive jusqu'à Masyaf, il pourrait réussir. Et alors, notre ordre serait en danger. La plupart de ces hommes sont morts. Alors comment pourrait-il nous attaquer? Attends, tu as bien dit elle? Oui, c'était une femme. Très inhabituelle. Mais ce n'est pas ce qui importe. Concentrons-nous sur De Sablé. Nous avons éclairci ses rangs, mais il est malin. Il va plaider sa cause devant Richard et Salah Hadin. Pour les unir contre un ennemi commun. Pour les unir contre nous. C'est impossible, tu dois faire erreur. Cela n'a aucun sens. Ces deux chefs ne feraient pas ça. Détrompe-toi. C'est nous qui avons eu tort. J'ai tué trop d'hommes. Trop d'hommes dans les deux camps. Trop d'hommes importants pour eux. Le plan de Robert De Sablé peut paraître déraisonnable, mais il peut réussir. Écoute-moi bien. Les choses ont changé. Tu dois retourner à Masyaf. On ne peut pas agir sans la permission de notre maître. Peut-être aller voir Richard Gœur de Lyon avant. Ça serait la fraternité. Je pensais que tu l'aurais compris. Ne te cache pas derrière des mots, Malik. Tu agites le credo et ses préceptes comme un bouclier. Il nous cache des choses importantes. C'est toi qui m'as dit qu'au lieu de savoir, il fallait supposer. Eh bien, je suppose que cette affaire est plus complexe qu'il n'y paraît. Ouais, j'avoue, c'est un peu compliqué. Des réponses. Et pour l'instant, on a autre chose à faire. Je ne peux pas quitter la ville. Alors mêle-toi à la foule. Trouve ceux qui servaient les hommes que j'ai tués. Informe-toi. Tu te dis perspicace. Tu y verras peut-être plus clair que moi. Je ne sais pas. Je vais y réfléchir. Fais au mieux, mon ami. Moi, je fais route vers Arsouf. Chaque moment perdu est du temps gagné pour notre ennemi. Sois prudent, mon frère. C'est promis. Je serai prudent. Allez, c'est parti. Direction l'endroit où j'ai pas cherché tous les drapeaux. Mais que j'ai poncé la zone quand même. De toute façon, toutes les zones sont débloquées à 100%, donc... Bon, une fois qu'il n'y a plus de TP, on avance dans l'histoire. Hop là! Ah, par contre, on a levé l'alerte, ça y est. Putain, j'étais loin de l'entrée, hein. Ouais, il y a un drapeau, mais c'est pas le moment. Il n'y a pas le droit d'être ici. Attends. Ouais, pas de soucis. Il y a un homme qui va se trancher la tête. Un finesse, tu vas mourir. Un fédal. J'ai pas le temps. Ya. Dégagez. C'est une situation d'urgence. Donc là, il va falloir croiser le fer avec... bah non, pas Cœur de Lion, juste aller voir Cœur de Lion. Bah dans le royaume. Je crois, hein. Parce
que faut pas aller encore à Masyaf. Je vous indique qu'un garde informé vous observe. Bersouf. Mais c'est un autre endroit qu'on n'a jamais fait. Là, j'ai pas le temps là. Donc là ça va être gauche. Donc tout droit. Après c'est gauche. Bah en fait faut longer la gauche. Faut longer la gauche tout le temps. J'aurais dû partir de Damas. C'est pas grave, ça fait un peu de voyage. Je sais pas si j'y avais encore accès à Arsouf. Je crois pas, ça me dit rien du tout. Hein. Bah si, c'est pas la dernière. Attends. Parce que 1, 2, 3... Non, non. On l'avait jamais. Parce que c'était 3 zones de 3, donc ça fait 9. Donc on l'a jamais eu. Voilà, l'armée, toi. Ah, mais du coup, c'est ça. C'est pour ça que je trouvais pas la signification. Ça veut dire qu'il y a, d'un côté... l'armée de Jérusalem. Non, je dois me gourer. Il y a l'armée du peuple musulman. Et de l'autre côté, on a... je sais pas. En tout cas, on a les musulmans et les croyants. Je suis où, là? C'est par là qu'il faut que j'aille. Il me faut un autre cheval. Ah, il y a un autre cheval! Donc, il y a les croisés qui, eux, prêchent Dieu. Et on a les sarrasins que ça s'appelle. Super. Donc les deux, ils vont s'allier pour aller contre l'ordre des assassins. Ah, on avait les gars en turban et on avait les gars en armure Deus Vult, tout ça machin. J'arrête pas de regarder la carte alors que c'est extrêmement simple en plus. Et du coup je me suis gouré parce que c'est Acre. Putain, il y avait la lune et il y avait la croix. Putain, mais c'était indiqué, c'était sous mes yeux. Oh, le pauvre cheval, je m'en doutais qu'ils allaient m'attendre. J'ai pas le temps pour jouer avec vous, là. Tiens, garde drapeau, ça sauvegarde ma position. Ah bah, un cheval blanc. Le fameux cheval blanc d'Henri IV. Prochaine à gauche. Du coup, à partir de maintenant, c'est tout droit. Ah, on va en direction de la mer. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le tour.
Lancez les couteaux pour éliminer vos ennemis de loin. Aucun temps de chargement, bien évidemment. Qu'est-ce qui se passe ? Mais non, mais c'est la guerre entre les deux, là. Merci, le cheval, de m'envoyer chier. Donc, eux, c'est des musulmans. Quoi ? Oh là ! Ça va bien d'éviter de se prendre des flèches dans le cul. Merci. Putain, j'ai cru qu'il y avait un cheval. Ils sont 18. Ah, faut les battre quand même. Ok. C'est parti. Dansons. Faut se concentrer, hein, gars. Non, tu m'auras pas. Bonne nuit. Non. Oh, ce petit pas. Oui, c'est ça, t'as raison. Je comprends pas pourquoi ils s'entretuent, ils sont censés s'entraider. Oh là. Ça va, vous avez pas l'impression d'être à 18 milliards. Ouah, cette armée! Ah, il y a du monde, hein. M'en fous, j'y vais tout seul. Besoin de personne. Aïe. Aïe. Il y a encore des archers, hein. Allez, dansons, dansons. Andale, andale.
Bah! Ouais, je compte quand même le monde absurde de gens après. Putain, faut que j'attaque à ce moment-là. Et... À partir du moment où t'es capable de réduire une armée complète, ça devrait aller, hein. Eh ? Combat hier, hein ? Oh putain, mais... Hop là ! Toi, tu commences à douter sur tes capacités. Wouah ! Oh, on va pas les compter, on n'a pas le temps. Prévenez-moi si vous l'apercevez. Excusez-moi. Ah, putain. Ça, je suis full life. Heureusement que la régène, elle est gentille avec nous. Hein. Après, je suppose qu'il y a des points de contrôle souvent. Et eux, c'est les croisés. D'où la croix. On n'hésite pas, monsieur. Ah, vous à Bordeaux? Ok. Bon, on va peut-être... commence à faire du ménage. Pas un pas de Attendez, plus. Je suis porteur d'un message et non d'une épée. Tu viens négocier les termes de votre reddition, enfin. Vous faites erreur. C'est Al-Mualim qui m'envoie et non Salah Hadid. Un assassin? Eh bien, qu'as-tu à dire? Ne perds pas de temps. Vous avez un traître dans vos rangs. Et il t'a engagé pour me tuer. Ainsi tu jubiles avant même d'avoir agi. Il ne sera pas si aisé de m'abattre. Je ne suis pas là pour vous tuer, vous, mais lui. Parle. Je serai seul juge de la vérité. Qui est ce traître? Robert de Sablé. Robert de Sablé. Mon lieutenant. Il entend vous trahir. Il clame pourtant qu'il veut se venger de votre peuple pour les ravages que vous avez causés dans la ville d'Acre. Et je serais plutôt enclin à l'aider, car vous avez massacré certains de mes meilleurs hommes. Ouais, c'était pas fait exprès. C'est moi qui les ai tués, mais à chaque fois pour une bonne raison. Guillaume de Montferrat voulait s'appuyer sur son armée pour s'emparer d'Acre. Garnier de Naplouse entendait profiter de son savoir pour endoctriner et contrôler quiconque lui résistait. Sibrand comptait bloquer le port pour empêcher votre royaume d'apporter son aide. Alors ? Tous vous ont trahi, et sur les ordres de Robert de Sablé. Comment ça se passe ? Je vais croire ces balivernes. Vous connaissiez ces hommes, mieux que moi. Êtes-vous franchement surpris d'apprendre leurs viles intentions? Dit-il vrai? Sire, nous avons un assassin devant nous. Un homme passé maître dans l'art de la manipulation. Il vous ment, c'est évident. Je n'ai aucune raison de mentir. Oh, bien au contraire. Tu es résolu à protéger ta petite forteresse à tout prix. Ne résisterait pas aux assauts conjoints des Sarrasins et des Croisés. Et vous êtes en train de vous battre. Les habitants de la Terre Sainte. Si je dois me sacrifier pour qu'ils vivent en paix, je le ferai. N'est-il pas étrange d'entendre chacun de vous s'accuser mutuellement? Ce n'est pas le moment d'en discuter. Il me faut rencontrer Saladin pour obtenir son aide. Plus nous attendrons, plus ce sera difficile. Robert, attendez un instant. Pourquoi? Pourquoi me retenir? Cet homme n'a tout de même pas crédit auprès de vous. La question est difficile. Je ne peux en décider seul. Il me faut l'avis de quelqu'un de plus sage que moi. Merci. C'est qui? Non, Robert, il ne s'agit pas de vous. De qui, alors? Du Seigneur.
Oh non, mais putain, ils s'en remettent tous au Seigneur. L'enfer. Il sera du côté de celui dont il juge la cause juste. Si tel est votre souhait. Oui. Soit. Prépare-toi, assassin. Pourquoi ils dégainent tous là? Y a que moi normalement. Je mourir. Vous non plus. Putain, c'est ouf comment j'arrive pas à le timer ce coup. Hein. Aïe. Et arrêtez TPMP, on n'y est pas. Hein. Hanouna, Hanouna. Lui, il a bouffé. Les flammes de l'enfer vont se dévorer. Je vais te trancher la tête. On va jouer timing, hein. On regarde, c'est par là. Puisse le Seigneur me donner la force dont j'ai besoin. Il est pas mort de sablé? Que là, c'est que des Templiers. Ah, secours! Il reste plus que toi. Terminé. Fini de jouer. Oh, j'ai plus qu'un PV. Bon, après... Bonne nuit. Je peux pas le taper. Moi, je veux bien, mais je peux pas le taper. Regarde, je peux pas le taper. Bon, au moins je l'ai tué. C'est terminé. C'en est fini de toi et tes machinations. Tout cela te dépasse. Tu n'es qu'une marionnette. Il t'a trahi, mon garçon. Tout qui? Comme il m'a trahi. Sois plus clair, Templier. Ou tais-toi. Il t'a ordonné de tuer 9 hommes, c'est cela? Oui. Ceux qui gardaient le secret du trésor. Et alors? Le trésor n'a pas été découvert par 9 personnes. Pas 9, mais 10. 10? Ceux qui connaissent le secret doivent mourir. Donne-moi son nom. Un homme de ta connaissance. Il ne fait aucun doute que tu seras plus réticent à prendre sa vie que la mienne. C'est Malik, je le savais! Il s'agit de ton maître, Al-Mualim. Mais il n'est pas Templier. Petit con. D'après toi, d'où tient-il ces informations? Il sait tout de nous, ce à quoi nous aspirons, où nous trouver et combien nous sommes. Il est le maître des assassins. Oui, et un fiefé menteur. Toi et moi ne sommes que deux pions dans son jeu. Mais après ma mort, tu seras tout seul. Penses-tu qu'il te laissera vivre? Maintenant que tu sais. Wow, on va aller péter la gueule à Al-Mualim, ça va être super ça. La différence entre ton maître et moi, c'est que lui n'est pas disposé à partager. Non. Quelle ironie, n'est-ce pas? Que moi, ton plus grand ennemi, je t'ai évité le pire. Mais maintenant, tu vas prendre ma vie, et par la même occasion, mettre fin à la tienne. Oh, mettre fin à la mienne, J'arrive. Bonjour Al-Mualim, c'est fini. Bon combat, assassin. Dieu est avec toi aujourd'hui. Oh ta gueule. Dieu n'y est pour rien. Je manie mieux l'épée dans la tour. Ah, si tu ne crois pas en lui, il semble bien que lui croit en toi. J'ai une question à te poser.
avant ton départ. Très bien, je vous écoute. Pourquoi ? Pourquoi venir jusqu'ici et risquer ta vie des milliers de fois ? J'ai besoin d'infos. Un seul homme. Il menaçait mes frères et ce que nous représentons. Alors, tu cherches la vengeance ? Non, pas la vengeance. La paix. Ah non ? Ah bah si. C'est pour cela que tu te bats ? N'y a-t-il pas là une contradiction ? Certains hommes n'entendent jamais raison. Se fout de Saladin et de Sulla. Je pense qu'ils souhaitent mettre un terme à cette guerre, tout autant que vous. Alors, les apparences sont trompeuses. Le peuple n'aspire qu'à la paix. Dans le camp des Sarrasins, comme dans celui des Croisés. Et le peuple ne sachant pas ce qu'il veut, il se tourne vers des hommes comme vous. C'est donc à vous qu'il incombe de faire ce qui est juste. C'est absurde. Notre venue dans ce monde se fait dans les cris et les pleurs. Violents et instables, voilà ce que nous sommes. Cela ne peut changer. Non, nous sommes ce que nous choisissons d'être. C'est très bizarre. Hein. Toujours prêt à jouer avec les mots. Je dis vrai. Inutile de soupçonner une quelconque ruse. Nous le saurons suffisamment tôt. Mais la paix n'est pas pour aujourd'hui. En ce moment même, ce barbare de Saladin tente d'anéantir mon armée. Certes, il a pris conscience de sa vulnérabilité. Peut-être verra-t-il les choses différemment à l'avenir. Qui sait, avec le temps, la paix que tu souhaites pourrait devenir réalité. N'oubliez pas que vous n'êtes pas plus en sécurité que lui. Les hommes censés régner à votre place n'ont pas l'intention de vous servir plus longtemps que nécessaire. Oui, j'en suis conscient. Je dois vous laisser. Je vais aller m'entretenir avec mon maître. Il semblerait qu'il a lui aussi des choses à se reprocher. Oui, mais ce n'est qu'un homme. Comme toi et moi. Que la paix et la sérénité soient avec vous. Et la bâche le tue! On a tué tout le monde. Qui se passe? On sort de l'animus? J'ai dit debout, bon sang. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez. On dirait que vos amis assassins nous ont trouvés. Quoi? Comment avez-vous fait, Desmond? Une minute, je sais pas ce que vous insinuez. Je suis là-dedans. Je bouge pas. Mais j'y suis pour rien. C'est vous qu'ils viennent chercher. Et ce n'est pas moi qui les ai invités. Et comment est-ce que ça se présente? On se fait tirer dessus. Vous maîtrisez la situation? Je dois faire évacuer le prisonnier? Ils sont 5, peut-être 6. On les a encerclés. On a des blessés, mais ça devrait aller. Tout sera bientôt sous contrôle. Bon sang, Desmond. Comme si on avait besoin de ça en ce moment. Je vous dis que j'y suis pour rien. Comment je les aurais contactés? Par télépathie? Vous délirez complètement. Peu importe. De toute façon, ils seront bientôt morts. Tenez, écoutez. La menace est neutralisée. Que la cavalerie ne sera pas au rendez-vous. N'empêche qu'il y a une minute, vous étiez mort de trouille. Votre petit complexe n'a pas l'air aussi sûr que vous le disiez. Et s'il revenait avec des renforts? J'en doute, Desmond. Ce que Lucie essaie de vous dire, c'est qu'il ne reste plus aucun assassin pour se ruer à votre secours. Ces derniers mois, nous avons été très occupés à vous traquer. Que ce soit dans le désert ou ailleurs, vous voilà livrés à vous-même. Reposez-vous. Demain, tout sera enfin terminé. Alors, je vais me reposer, d'accord. Mais vas-y, casse-toi que je parle un petit peu avec elle. Merci. Je suis désolée, Desmond. Il a parlé du désert. Tu crois que... Ils ont envoyé une équipe sur place. Il n'y avait personne. Trop près, trop près. Je ne sais pas où sont tes parents, ni même s'ils sont encore en vie. Mais une chose est sûre, ils s'étaient déjà enfuis. Merci. Merci d'avoir vérifié. La situation n'est pas désespérée. Non mais tu t'entends parler? Ils ont littéralement exécuté tous ceux qui auraient pu m'aider à sortir de ce trou. Ensuite, j'apprends qu'il ne reste plus aucun assassin encore en vie. Je ne connais toujours pas les véritables intentions de ces gens. Si ce n'est qu'ils me tueront moi aussi, quand ils en auront terminé. Oui, mais j'ai bien compris. La situation n'est pas désespérée.
Essaie de ne pas perdre confiance. C'est quoi ce zoom? Oh! Tu es... Aie confiance. Va dormir, Desmond. Tu auras besoin de toutes tes forces. Tiens, tiens! Et y'a personne qui l'a grillé, ça? Oh, ce coup-ci, il me fait pas avoir. Ah putain, mais elle avait laissé un stylo la dernière fois. Et bien évidemment, il y est plus. Je peux toujours pas y accéder à sa boîte mail de con là. Je vais échouer un stylo au bout d'un moment. Yes! Alors déjà, on va supprimer. On va regarder les supprimer. On va regarder les plus anciens. Ouah la vache, il y en a. Saison à regard est terminée, on peut dire. Le climat est surprenant. Lancement du système. Technologie, ok, d'accord. Les dépêches. Tension autour des otages. Les USA et l'Union Européenne sont une nouvelle fois vivement critiquées. La plateforme de Battlefield. OLDA, je sais pas ce que c'est. Saint-Saëns Regassia, un traité arctique. Ouais, ok. On m'avait dit qu'elle tiendra au courant, tranquille, et la voilà qui remue de la merde. C'est à vous de régler ça, Warren. Ah, à cause de Leila. Je pensais que vous pourriez m'aider pour... Ah bah voilà, bah c'est ça. Ok. De Lucie. Ok, donc c'est ce qu'on avait vu. Je serai absent en cas d'urgence. Je vais contacter. Ok, d'accord. Allez, on descend plus vite. Voilà, ça c'est les CGV, ça. À consacrer du temps et... Ok, d'accord. Ok, information sensible. Cette fois, c'est du sérieux. Quelqu'un a fait circuler des documents concernant les études des produits fluorisés. Qu'est-ce qu'on contient ces rapports? Donc, Jeanne qui répond à Warren, tu connais la nouvelle, le cours d'action est en train de chuter, on déjeune ensemble, ok. C'est à propos de ces idiots de la division pharmaceutique, on a publié. Zone. 21 façons de dire la zone de couverture, tout ça. Ok, d'accord. Document confidentiel. J'ai téléchargé les analyses, vous devez absolument. Ok. Warren, il est impossible d'accéder. Il me faut le mot de passe. J'en parle à la sécurité de la messagerie, donc. 62. Ok, donc j'ai un mot de passe. L'entreprise Acerdo a contaminé les réserves d'eau d'une petite ville et testé un produit synthèse de nouveau fluor. Ce jour restera dans l'histoire aujourd'hui. Ok, d'accord. Il a envoyé... De finir comme il est là, que vous voulez vous dire? Oui, donc c'est ce qu'on avait reçu. C'est sur mon bureau, occupez pas de vos affaires, concentrez-vous sur l'animus. Ok, c'est ce qu'elle avait reçu aussi. Ah! Ils ont changé le code hier soir, donc j'ai le nouveau code pour aller à la salle de réunion. Je sais tout. Vous savez ce que vous avez fait, je l'ai vu. Il y avait une boule de métal, il l'a ouvert. Il est devenu focus, il tirait des poignardés, c'est taillé en pièces. La vérité éclatera. Vous paierez, bande de salauds, vous me la paierez. Ok, d'accord. Et Admin, ok. Attatatatata. Parce que du coup, maintenant, on a accès là-bas.
si j'ai bien compris. Parce que là-bas, il n'y a pas de mot de passe, hein. Ouais, seulement une ouverture. Yeah! Toujours autant filmé, hein. Ok, la salle de conf. Ok, des documents qu'on ne peut pas regarder. Là, on peut pas se barrer non plus. Toujours surveillé, hein, les caméras, on les voit. Ah, 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 ah! Pas le truc où justement il fallait un mot de passe et qu'on l'a en plus. Hey, hey! Les exacts. Terminés, l'orbite Eden reste notre priorité. Nous vous tenons également. Putain, je vois des poils en plein milieu, c'est insupportable. Tu veux que. Voilà. Non. Merci de prendre connaissance sur la bonne. Fais la remarque. L'Orbe d'Eden. Nous sommes reconnaissants de tenter de localiser l'artefact suite à la paire numéro 2 accident du satellite IAA. Nous sommes conscients que le sujet 17 a des difficultés à synchroniser avec l'Animus, ce qui propose des retards. Projet Philadelphia. Les données sur Animus concernant le sujet 12 impliquent. Nous ignorons ces trajets. Nous avons rassemblé les deux. Tu sais, l'expérience origine, mais administration. L'artefact sera entreposé à, en lieu sûr. Ok. Non, mais il y a combien d'artefacts? Le Graal! Tunshinga, mais ça je connais pas. Direction l'attaque des assassins, station de recherche. Abrité à un artefact, générateur d'ondes. Alternative localisée dans un entrepôt. Ressuscitant un type de technologie. Soutien une équipe bien souhaitée. Ok, d'accord. Putain, le Graal fait partie. Ne fait plus partie de nos objectifs, il n'existe. Passer de preuves confirmant son existence. Ok, d'accord. Communicateur de Mitchell Edge. Ok. Sujet 17 et vos priorités. C'est trop marrant qu'en fait, il y a le Graal. Mais du coup, le Graal, on ne peut pas, ils peuvent pas le trouver parce que ils savent pas s'il existe réellement ou pas. Il est trop bien. Bon, par contre, on va faire une petite pause pour YouTube, comme ça, ça va me permettre d'aller pisser, comme d'habitude, hein, parce que je suis en train de me retenir depuis Mathusalem. Bref, YouTube, on se fait des bisous et puis on se dit à la prochaine. Et à mon avis, ça sera le dernier épisode. Allez, des bisous, ciao, bye.